Hola! Hola à tous! Et bon comeback sur Anima Gaming FR et sur Call of Juarez Gunslinger pour une nouvelle aventure avec un nouveau personnage qui reste un peu étrange. Un peu étrange parce qu'il y a plusieurs versions sur sa vie en fait. Et en fait, c'est simple. Il y a la version des journaux, il y a la version du bouquin de ce mec, la version des gens qui l'ont rencontré, et la version que le mec voulait s'inventer aussi parce qu'il voulait une putain de réputation. Mais on a plus l'impression de suivre un gosse qui était perturbé, quoi. Et bien sûr, on va le suivre au cours de sa vie, mais. Mais ouais, Aldrin était bizarre, Aldrin I've était bizarre. dodged death many a time, and that night in Abilene was Qu'est-ce no qu'il different. foutait? LOL, Abilene, carrément! Parce que Abilene, il me semble que dans ses histoires, I was there with the intention of finding that bastard Bob and collecting the bounty on John Wesley. Parce que je me demande si c'est pas là qu'il a rencontré Hitchcock, donc Lucky Luke, et je m'étais trompé. Apparemment, Hitchcock avait quand même fait des mandats en tant que marshal, que shérif, enfin voilà, appelez le comme vous voulez. C'est lui qui me tire comme ça? Mais ils sont chiants d'ici. Et du coup, ce type là qu'on va suivre, ouais, en fait, il avait l'air simplement peur. Putain, ça me saoule, je vous prends des balles, je sais pas d'où. Et comme je sais pas d'où, ça va m'énerver. Donc, on va passer de l'autre côté, voilà, toc. Hop. C'est plus simple hein, quand c'est à eux de changer de place, hein, toc. Et en gros. Lui, son premier crime, enfin crime plus ou moins, il l'a fait à 9 ans. C'est-à-dire que ce petit con qui était déjà un petit peu perturbé, on va dire, était un petit peu du genre à se prendre la tête avec tout le monde et n'importe qui pour rien. Parce que voilà, ça avait l'air d'être un trou de balle. Et c'est du genre à 9 ans, il commençait déjà les battles au couteau, tu vois, il avait déjà planté un de ses petits camarades. Bon, qui avait survécu, hein, mais. I thought the Texas Rangers got hardened. Yeah, that's what they want you to believe. It was cold in a witch's tit and a brass bra that night. Non, j'essaie de lire en même temps ce qu'il raconte au lieu d'avancer et de me retrouver dans l'action et de plus pouvoir suivre. Je crois que son premier crime qu'il a fait officiellement est vraiment un meurtre. Enfin, voilà, il a tué quelqu'un. C'était à ses 14 ans. Parce que vous comprenez, c'était un sudiste. Donc il y avait un peu la guerre entre les confédérés du Sud et les confédérés du Nord, il me semble. Et c'était un petit peu en mode, bah, vu que lui c'était un putain de raciste, un jour il est tombé sur un black et il l'a buté. Voilà. Voilà. Enfin, vous voyez, 14 ans, hein, personne très sain. Bah, tiens, attends. Ça, c'est peut-être pour une autre anecdote. Tiens, en plus, on peut rentrer comme ça, je savais pas. Ou pas. Ok, il a bien voulu, mais c'était compliqué. Tiens, par exemple, c'est quoi le secret? C'est quand il a tué un mec juste parce qu'il ronflait. Enfin, soi-disant, pareil, la version, elle a changé, je vous raconterai ça après. Du coup, attends, c'était. Non, c'était où? C'était où déjà pour voir les pépites de vérité? Henri Plummer, tout ça, on avait vu. Toc, toc, toc. Saloon's Bullhead. Ah là, c'est bien ce que je pensais. Je pense qu'il a rencontré Bill Hitchcock dans cette ville. Voilà, la loi à Bilen. Donc, oui, effectivement, il a été shérif pendant un temps dans cette ville en fait. Et bah tiens, je peux vous en parler. Apparemment, effectivement, il y avait une peinture un petit peu chelou dans un saloon, tout ça. Et le shérif, il voulait l'enlever.
Donc finalement, il était allé les voir en demandant au gars, ouais, vous allez m'enlever ça, et finalement, ils ont pas voulu, donc c'est lui qui l'a fait lui-même déjà. Manifeste entre les deux hommes allant jusqu'au jour. Tira à deux reprises sur Marshall sans hésiter, celui-ci riposta foudroyant, le tenancier tué pendant ma garde, son propre adjoint. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il a arrêté, en fait, oui, dans un mouvement de duel, il a pas reconnu, enfin, il a tiré avant de reconnaître son adjoint, et effectivement, il a dû buter son pote. Ok, c'est pas l'histoire glauque que je pensais trouver là. Very same saloon we're sitting in today. Ok, on va peut-être prendre le. On va recharger. On va voir la distance à laquelle ils sont. Bah, tout le monde est déjà mort. Et je me demande si c'est pas ici aussi que Hitchcock il avait affronté les quatre autres types. Bah c'est comme ça aussi qu'il s'était fait un peu connaître comme l'homme qui tirait plus vite que son ombre. Imagine this place painted in blood. Harden was waiting for me. Mais oui, dans son histoire, apparemment, I'm jumping a gun here. Il aurait tué entre 25 et 40 personnes. Don't you think so, Ben? John Wesley Hardin was a killer. Ah bah voilà, bah on va peut-être revenir un end, peu plus. He confessed to taking the lives of 42 men, fathers and husbands, brothers and sons. Mais apparemment, enfin, c'était quelqu'un aussi qui était très sur sa propre notoriété, donc il aurait pu inventer des meurtres aussi. Et il y a des meurtres, par exemple, je vous reviendrai un peu plus tard dessus s'ils en parlent pas, mais en mode, oh, puis je vous le dis tout de suite. Pour vous dire, en fait, il s'arrangeait bien avec la vérité. Parce que pour sa notoriété, par exemple, il a raconté qu'un soir, et effectivement, il y a eu une fusillade, il y a eu un mort. Au début, il se vantait qu'il y avait un mec qui ronflait trop fort dans le saloon, et en fait, il aurait tiré à travers le mur, carrément, parce que voilà, il aurait abattu quelqu'un parce qu'il ronflait trop fort. Et il avait écrit ça dans son bouquin, parce que oui, il a écrit un bouquin et tout derrière, racontant sa vie. Et finalement, il a préféré changer, modifier cette histoire de peur de... Ah tiens, on viendra aussi là-dessus. Oh, je vais finir mes deux anecdotes. Mais en gros, effectivement, bah voilà, il avait changé sa version. La première version, c'était un petit peu en mode, il a tiré à travers le mur, il pensait peut-être lui faire peur. Et finalement, bah, il lui a tiré une balle pendant qu'il dormait, le gars, donc il est mort dans son lit. Pour finalement dire que, ah non, finalement, je n'ai pas abattu à cause des ronflements, c'est un voleur qui s'est introduit dans ma chambre que j'ai abattu, donc c'était de la légitime défense. Vous voyez, il y avait toujours ce paradoxe entre ce qu'il fait, ce qu'il dit. Est-ce qu'il a envie de passer pour un héros ou autre? Et là, je vois par exemple, ils nous mettent face à des vaches. Pareil, dans sa vie, pendant un certain temps, il a été cow-boy. Mais quand je dis cow-boy, c'est la traduction littérale. Hein. C'est pas. C'était un peu. Enfin, c'était pas genre Lucky Luke, c'était un cow-boy. C'était cow-boy, la traduction, c'est garçon de vache, quoi. Il conduisait des vaches, il s'occupait de vaches, et justement, comme lui aussi, il était dans des zones où il y avait pas mal de vols, de brigands et tout. Ah, par contre, là, légalement, il a probablement tué une dizaine de personnes en quelques mois, en mode, bah, ils essayaient de voler le bétail. Il a tué des voleurs de bétail, quoi. Est-ce que j'ai une grenade? Bonjour. Oh, ça c'est beau. They knew, as most of them were wanted as well. Whoops. I figured Harden was here somewhere, but to get to him, I'd have to get past his gun hands. That was easy.
easier said than done, as most of them were as foolish and full of bravado as I was. I had to spill a lot of blood to find out Hardin wasn't in that camp. He was carousing in town with his closest friends. Hardin's boys apparently didn't Mais pour want ça, ça, c'est pour ça que ce, Aldrin avait plus l'air d'être un mec instable qu'un vrai gangster ou quoi que ce soit. Hein? Bah, je crois que son premier meurtre, il avait fait avec un Colt 44 ou un truc comme ça. Mais bon, je m'en branle, pourquoi vous me parlez des revolvers, je m'en bats les couilles. What? Bon, j'en sais rien. Ce qui se passe, je m'en fous. Qui a fait du bruit? Vous veniez de parler à un moment, j'ai l'impression. Was among them. Let the boys know we got another loan. Oh. And, mais c'est là aussi que tu vois que le Far West était différent. Par exemple, il fait partie de ces mecs aussi qui à un moment ont été enfermés et qui s'évadaient, mais un petit peu en mode ça avait l'air tellement facile de s'évader dans à cette période-là. Parce qu'en gros, lui, son évasion, c'était en mode, au lieu d'aller en prison, il a été mis dans une cellule de shérif. Ouais, les petites cellules, comme vous pouvez en voir dans les westerns, où il y a le shérif qui vient le nourrir de temps en temps, dans les Trinita, les conneries comme ça. Et finalement, c'est un petit peu en mode, apparemment, il y aurait un gars qui lui aurait passé un pistolet par la fenêtre. Il l'a collé sous son... Voilà, avec un fil, il l'a foutu sous son bras et tout, il l'a un petit peu planqué. Ah mais il y a des fois pour les voir, mais je le vois pas. Hein. Je le vois pas. Hop, hop, voilà, ça c'est rien. Et donc en fait, il a juste attendu aussi un moment, un transfert... En mode voilà, il y avait deux gars pour l'escorter, il était derrière, bah il a sorti son arme, il a tiré les deux et il s'est barré quoi. Ah, tiens, on va quand même aller voir ce qu'ils disent, allez pépites. C'est jamais le nouveau Hardin. Était avec Wild Bill Hitchcock l'un des tueurs les plus notoires de... C'est pour ça, Bill Hitchcock, là on parle de l'un des tueurs les plus notoires, j'avais oublié qu'il... Enfin, je savais pas qu'il avait été shérif, je savais qu'il représentait Lucky Luke, mais à un moment, voilà, à un moment... Hitchcock, c'était quoi? C'était un shérif? Il est mort normalement ou... Enfin, voilà, accordez-vous sur la version. Alors, lors de duels, de fusillades et autres conflits... Voilà, l'homme qui ronflait trop fort. Comme un tueur implacable, comme le héros de son... Bah tiens, moi je fais partie des gens, effectivement, quand j'entends son histoire, je le vois plus comme un taré et un tueur. Mais par exemple, Bob Dylan a fait une musique sur lui, comme quoi c'était un peu un héros, qu'il était passé en jugement ou quoi que ce soit, mais... Mais non, j'ai même pas compris la musique de Bob Dylan. Mais Bob Dylan a fait une musique sur lui. Il passe à de nombreuses années, il fréquente à la Brive. Ouais, il a eu, effectivement, il est devenu avocat, il a réussi à avoir son truc. Voilà, il a eu son truc de barreau, carrière, purante. Dans les salons, ouais, voilà, en fait, il a vite repris ses travers. Finalement, il a pas réellement utilisé son diplôme comme moi. Hein. Les diplômes, ça sert à rien. Elle a la même fin que son idole. Hein? Il avait aussi... Ok.
Non, parce qu'il avait aussi commis un meurtre comme ça, un petit peu en mode le gars il se prend pour un pro de la gâchette aussi. Et finalement, il a tué, je crois, un marshal. Là, c'était pas un shérif, c'était un marshal. Bon, après, c'est peut-être équivalent. Mais en mode, le marshal, il était en train de se faire raser devant son. Comment dire. Ah, c'est par là. Bah devant sa maison, et finalement il est arrivé derrière, il lui a collé une balle dans la nuque, enfin, genre héros, tu vois. I steeled myself for the fight ahead. For as good as I was, deep down I wondered if John Wesley wasn't just a little bit better. Et justement, John Wesley, je crois que bah, y a Hitchcock qui lui avait dit, du genre, alors que c'est connu pour être l'homme le plus rapide de l'Ouest, un petit peu en mode, ah bah t'es le jeune le plus rapide que je connaisse, tu vois. Before I could test my mettle against Hardin, however, I would first need to dispatch his cadre of hired killers. Oups, ouais, je me suis trompé de côté. Hein. Bah, je sais pas, il m'a dit Q, donc j'ai préféré sur Q, et après, je sais pas, il y a un truc bizarre, comme s'il avait relancé deux fois. C'était bizarre. Bon, de toute façon, c'est par là, toc. J'avais envie de voir s'il y avait moyen de scripter. Non, il n'y a pas moyen. Lancer une grenade. Alors si j'avais fait S, donc là c'est Q cette fois, je fais Q. What? Most of these degenerates were beyond redemption, but John Wesley might have been a different story. Putain, mais d'où je me faisais tirer? J'essayais de m'éloigner en courant en mode trouve un abri là, mais. Attends, on va y arriver mon gars, on va te buter. En plus, pourquoi vous me changez mon fusil? Moi j'aime bien mon fusil, vous m'emmerdez à vouloir sortir le Colt. Au pire, je vais sortir le pouvoir et tout, hein, rien à foutre. Hein. Alors, D là. Ok. Ah, ok, si j'avais réussi ça. Je t'ai pas vu, mec. Je me disais bien, je me reçois des balles qui viennent pas du sol. Là, les mecs, ils me voient de loin sur les toits. Ah oui, excuse-moi. Ok, je suis déjà rechargé. Je pensais recharger, mais je le suis déjà. I didn't learn until later that that night was in fact his birthday celebration. Ah, ok. Là, je suis étonné, je sais que. Je me demande si c'est pas dans les années 1500 qu'il a commencé à avoir les feux d'artifice et tout en Asie, mais. Oh merde alors. Mais j'avoue que. Quand est-ce que ça arrive en Amérique et tout j'imagine mal un commerce entre les Asiatiques et les Américains pendant la période du Far West. Après, peut-être que je me trompe, hein, j'en sais rien. Hein. Qu'il y a des trafics qui existent depuis bien plus longtemps que ça. Hein. Pas des trafics du business, du business. En fait, on dirait qu'ils réutilisent le début de la ville. Oh là, je suis mauvais. Ah, là là là. Je veux dire, je vais aller vers les balles, mais. Oui! Là, ils commencent même à mettre des musiques de western. Ça touche. Ça touche pas. Ouh! Le deuxième derrière, c'était vraiment de la pure chatte là. Ah, ce salon? Ah, shérif, moi. C'est marrant parce qu'on dirait vraiment un petit peu de réutilisation. C'est pas là que j'ai fait la première mission? Après, ça me dérange pas, hein. C'est plus rigolo, anecdotique qu'autre chose. Et c'est pas con. Ça faisait de l'économie de mémoire. D'ailleurs, je vous ai déjà parlé dans certains jeux de en mode, ouais, les mecs, ils font pas ça pour rien s'ils ont créé tout. Ça, c'est que ça prend de la ressource et qu'ils veulent planquer des trucs. Et ben, il y a pas longtemps, j'ai découvert sur Zelda qu'il y avait un des persos, en fait, qui était derrière un comptoir. Et ben, ils lui ont même pas fait ses jambes.
Parce que ça économisait de la mémoire. Vous voyez, parfois on était vraiment obligé d'économiser des trucs, mais de malade quoi. Bon, je vais faire un petit tour. Bon, bah, je vais faire un petit tour. Bonjour. Bon, il faut que je trouve un saloon. Ça doit être ça? Non, bank. Ça va être pour la mort des Dalton à tous les coups. Merde alors. Bon après je vais continuer, je vais faire le tour. Hein. Mais saloon, je suis pas fou. Là je vais trop loin. S'il y a plus personne, c'est que j'ai dépassé, non? Ou au pire, au lieu de me faire chier, un haut. Objectif, saloon, voilà. Le Bull's Head. Et ici, Martinov, fichette pute. Oh, tiens, avant de rentrer, toi là-haut, et oh. Prends-moi pour un con. T'as d'autres veux négocier? Suffice it to say, nobody there was happy to see me. Vas-y, au pire, tu cours. Hop. Oh, shut up. In fact, I felt a certain hostility. Ah bon, ils sont pas amicales? Quand je les vois comme ça, j'ai envie de leur faire un câlin. Oh. Si on peut avancer par là, pourquoi pas? Pourquoi j'ai vu un truc rouge? Bah oui, on me disait bien. Ah bah tu peux toujours m'envoyer la facture, c'est pas dit que je paierai. Hop hop hop. Comment ça, je peux pas te battre? Te mordre? C'est quoi que tu veux dire? Tiens, cher! I was disappointed that neither Bob nor John Wesley were among the dead. But that was short-lived, as a moment later, I was facing down the fastest gun in the West. Pourquoi Billy va être là? Bill. Par contre, je sais pas d'où lui vient cette notoriété de roi des cartes. I felt a bolt of adrenaline. Or maybe that was fear. He was well known for his tricks. And I knew I'd need my own if I was ever to defeat him. De l'autre côté. Oh! Tu me fais quoi, QD pour esquiver? Ah, ok. That man was faster than grease lightning, but being inebriated as he was, he didn't count his shots, and now he was at my mercy. Donc j'ai eu, je sais pas, ça n'a pas touché. No, I sent him to prison. Oui, c'est vrai. Years later, il a fait 16 ans de tôle. Free, some restless avenger took his life. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai pas compris dans ses condamnations de prison. En fait, il avait été accusé d'avoir tué un mec. Et en fait, ils avaient pas réussi à prouver qu'il avait tué un autre mec. Donc, il avait pris 16 ans de prison et il avait demandé à faire en simultané la sanction de l'autre gars que ça avait pas été prouvé. Donc, il avait pas eu d'année en plus. À un moment, comment tu peux faire. En gros, c'est comme si, voilà, t'es pris pour un meurtre. T'en as fait 3 et on te dit, bah voilà, on n'a pas réussi à prouver les deux autres, bah on va te mettre simultanément la sanction des deux autres, donc on va pas t'augmenter ta sanction, mais en gros, ton temps sera aussi compté comme la mort pour les autres. Enfin, j'ai pas compris le truc. J'ai pas compris. Alors, qui sera notre prochain gars? Ouh. Yeah, some say revenge is a dish best served cold. So whatever happened to that Bob guy you were after? J'ai cru qu'il faisait semblant de parler comme une femme. Some of your other adventures, like, I don't know, do you ever go toe to toe with a red man? Est-ce qu'on va, il va parler de Geronimo? Grease Wolf.
Je connais pas. Yes, I did, Ben. I remember once I was after this renegade Apache, Grey Wolf. Strangely enough, revenge was also his primary motivation. Oui, bon, enfin, étonnamment, non, non. J'ai envie de dire, quand tu vas détruire un peuple, effectivement, s'il y a des survivants, faut pas s'étonner qu'ils veuillent te buter derrière. Hein. A bounty was put on Grey Wolf's head, and that's how I came to hunt him in the mountains. Mountains so high they tickled the nether regions of heaven. Eh ben, ça fait combien de temps? Ça fait plus de 25 minutes. Bah, ça fait 25 minutes. Apache medicine man who had led a war party in revenge. Non, je préfère aller vous chercher des bonnes anecdotes sur les personnages, tout ça, plutôt que de vous enchaîner un long épisode, c'est tout. Cette fois, il sera un peu plus court et la prochaine fois, il y aura d'autres anecdotes. Sacred sunrise ceremony. And the slaughter was unspeakable. I understood his anger. As there's nothing more traumatic than seeing those you love. Je suis un Américain, je suis rien sans armes. Wouh. Et bien sur ce, comme d'hab, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas, si vous avez kiffé, à lâcher des petits pouces bleus, des commentaires, des partages. Moi, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vais m'enseigner sur Grey Wolf. Des bisous, ciao ciao.